Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Pont-Aven pour faire un vlog dans le Finistère. Et oui, on change de département. Nous sommes dans le département voisin du Morbihan. Voilà, donc nous sommes dans le Finistère et là, donc on va visiter donc Pont-Aven. Pont-Aven est à 28 km de Lorient, entre Quimper et Quimperlé. Voilà. Allez, on y va, nous allons visiter. C'est parti. Et du coup, nous sommes en compagnie de mon chien Itak. Dis bonjour Itak. Eh, hey, viens là toi. Non, tu veux pas? Ok, bon, allez, on y va. C'est parti, let's go. J'ai vu qu'il y a un petit circuit là, regardez. Circuit de la chapelle de Trémélo avec une flèche. Donc on va suivre la flèche. Allez, c'est parti. Il y a un circuit apparemment. Donc je pense qu'il faut marcher. Voilà, donc on y va. Alors pourquoi j'ai choisi cette ville? Eh ben, j'ai regardé sur internet des photos de chaque ville en Bretagne et donc j'ai trouvé ça magnifique en photo. Pour l'instant on est en forêt, mais vous allez voir après je vais passer par des endroits insolites, des endroits où il y a des fleuves qui passent par là. Voilà, allez, on y va. Ah, ça monte quand même, hein. Pouh. Eh ben, du coup, là, ça monte, ça monte, ça monte. Et justement, autour de la ville, il y a une forêt comme ça, un circuit pour se promener. Je sais pas où on va. Par contre, interdit aux chiens détachés, alors qu'on est en forêt, c'est dommage. Voilà. D'ici, vous avez vu, on voit toute la ville de Pont-Aven, qu'on verra ça tout à l'heure évidemment, parce que c'est magnifique, je trouve, en bas avec le petit fleuve, je vous en ai parlé. Et regardez, je me suis posé là, vous voyez, on peut s'asseoir ici pour faire un pique-nique ou quoi que ce soit. Nous sommes pas loin d'une chapelle, donc on va aller voir ça tout de suite. Je découvre en même temps que vous, hein. Je connais pas du tout Pont-Aven. Voilà. Allez, et par contre il tire. Oh, oh, oh. Hey, doucement le chien. C'est dur de filmer avec un chien. Et encore, il devait avoir un deuxième chien, mais vu que mon collègue pouvait pas venir, et du coup j'en ai ramené qu'un, malheureusement. Et j'ai bien fait parce qu'apparemment on peut pas laisser en liberté les animaux. C'est dommage. J'espère que ça ne trompe pas trop avec le chien qui tire. Et il me fatigue déjà, alors qu'on vient de commencer. Bon, on a fait la moitié de la route. En fait, ça fait loin, 600 mètres. Ils ont dit au début 600 mètres. On est qu'à encore 300 mètres. J'ai fait la moitié du chemin. Ah, ils l'ont dit 600 mètres. Merde alors. Bon. En plus, là, je suis sûr, on ne pourra pas rentrer avec le chien. J'ai le chien là avec moi. Mais bon, ça lui fait promenade déjà. Donc voilà. Allez, on y va. Je sais pas où c'est exactement. Donc on va voir. Je suis les panneaux. Hein. Voilà, voilà. Allez. Bon, on arrive bientôt. Je vois la chapelle. Tain, on est vraiment dans un coin paumé là. On marche assez longtemps.
J'ai oublié mon portable dans la voiture, malheureusement. En fait, j'ai une application pour marcher. Et quand vous marchez, et ben, vous gagnez de l'argent. Et ben, j'ai oublié justement mon portable pour faire cette application. J'aurais gagné de l'argent, quoi. Mais dès que je retourne, parce que après on va en ville, dès que je retourne, et ben, je vais aller chercher ça. Allez, on y va, c'est parti. Nous avons retrouvé la chapelle en plein milieu de la campagne. Bon voilà, allez, on repart. En tout cas, super sympa cette chapelle. J'ai pu rentrer un peu dedans, mais malheureusement avec le chien, j'ai essayé de l'attacher, mais il s'est enfui. Alors j'ai dû quitter, mais vous avez vu un petit peu là-dedans. Le plafond tout en bois, franchement sympa. Voilà, voilà. Bon, j'ai pas mon portable, mais heureusement, il y a un panneau hein, pour expliquer un peu l'histoire de cette chapelle. Et donc, cette chapelle a été édifiée au 16e siècle. Voilà. Il a été peint par plusieurs peintres qui sont passés par ici, par Pont-Aven. Voilà. Allez. Évidemment, Pont-Aven est super beau. Donc, il y a plein de peintres qui est venu justement peindre cette ville. Voilà. Donc, c'est parti. On va voir la suite. C'est parti. Let's go. Voilà, de retour dans la voiture. J'ai fatigué. T'es fatigué? Ouais, il t'a dit que t'es fatigué. Ah, t'es soufflé là. Hein. Ah, t'es trop marché. Hein. Ah, bah oui. Hein. Du coup, là, on va aller en ville vite fait. Du coup, je vous montre un peu. Je suis pas sponsorisé avec l'application, mais c'est sympa pour ceux qui marchent beaucoup comme moi sur le truc. Mais c'est sympa, c'est pour vous aider si vous voulez gagner un peu d'argent en marchant. Voilà, c'est simple et net. Mais est-ce que vous voulez gagner de l'argent en marchant? Et ben voilà. Alors, bon, voilà, ça marche comme ça. Vous voyez, j'ai fait 161 mètres, c'est pas énorme. Évidemment, j'ai marché beaucoup plus que ça, mais voilà, j'ai oublié complètement le portable. Donc voilà. Et donc, vous voyez là, il y a 25 watts, etc. Attendez, je regarde parce que c'est dur de faire ça. Voilà. Donc on voit les distances ici, les calories, le temps que vous avez marché. Moi j'ai fait 2 secondes, j'ai fait 161 pas. C'est pas mal. On peut gagner des cadeaux hein. Il y a des cadeaux par exemple là, voilà, des cadeaux sur 8 euros offerts de votre abonnement culture, Call of Duty en mobile. Vous pouvez avoir plein de trucs, mais si vous voulez de l'argent, et ben dis donc, attends, ça c'est la carte, voilà, virement. Voilà, du coup, pour avoir pour gagner de l'argent en marchant, voilà, il faut faire 3000 pas pour avoir 20 euros, 4400 pas pour avoir 30 euros,
et 10 000 pas pour avoir 70 euros. Voilà, pour ceux qui marchent beaucoup, et bien gagner de l'argent en marchant. Voilà. Et je suis pas sponsorisé hein, de cette application, mais c'est pour vous aider. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Let's go pour la visite de la ville. Donc voilà, on est arrivé au centre-ville. Donc vous avez vu hein, dès le début, je me suis garé sur le parking et vous avez vu dès le début, il y a le petit fleuve là qui longe la ville et franchement c'est sympa. Donc voilà, donc on y va. C'est pas magnifique derrière, voilà mes abonnés. Hey, j'ai bien choisi cet endroit. Oh là 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 là. Par contre, il y a du bruit, hein. J'espère que vous m'entendez bien, parce que là, hey, c'est pas bien pour faire du kayak ici, hein, du sport là, le kayak. Ça a l'air trop bien en vrai. Oh là là. Là, on est sur une passerelle où on longe un peu. Du coup, le fleuve, franchement, je trouve bien. J'adore ces endroits-là. Allez, on continue, c'est parti! Ils ont mis un petit parc en plein milieu du fleuve. Franchement, je trouve ça joli. Dommage, c'est pas fleuri, hein, parce qu'on est quand même début février. Ah, il y a un chien. Donc voilà.
Bon voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Oui, je me suis arrêté juste ici devant le fleuve. J'ai bien aimé le début, perdre dans la forêt et perdre dans la campagne pour trouver une chapelle. Malheureusement, le chien n'a voilà, on n'avait pas de droit au chien, donc j'ai pas pu rentrer totalement dans la chapelle, mais vraiment pas mal cette chapelle. Puis après, la ville, franchement la ville avec son fleuve en plein milieu et son parc, j'ai trouvé ça mignon, et ses maisons qui bordent la rivière, franchement je trouve ça bien. Et regardez bien, c'est bien marqué, pas droit à la pêche, voilà. C'est interdit la pêche. Donc j'espère que vous avez aimé. Mettez un mode j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir les chaînes de mes collabs. Donc c'est lui, le petit belge, et Amandine Dro. Voilà. Je mettrai en lien en description, c'est leur chaîne à eux. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.